Vous avez essayé de donner des bonnes informations apparemment par rapport à des décisions qui apprennent pour l'arme. C'est un conseil des ministres et que le gouvernement a décidé pour déblayer ni Gravine ni Matisse. Dans le milieu de côté qui m'a parlé à voilà là, ça veut dire que je vais ultimatum pour tout le monde qui connaît l'innocent, qui habite dans la zone ça, de dégager, laisser la zone de façon pour que je ne pas victime. Ça, c'est une décision que le gouvernement fait pendant nos réunions. Il y a des informations de bonne source, ma barre. Et l'autre problème encore, il semble que c'est un problème terminal, gaz pour panneau qui est au niveau de Matisse, qui est prendre otage, et ont même exigé son roi fête national lié, et qui est exigé de 50 000 américains chaque mois. Et d'après toutes les informations, moi, chaque tombateau à cause pour tes gaz, il y a un corps de toucher. Mais je dis, dès que ça rentre, on va y la croire, mettez machine gaz ou croisez en quoi. Si vous avez fait la loi, tout le monde est obligé de jeter. Parce que pas dit, vous avez dit côté que vous avez sauté tant. Et si vous avez fait ça, tout le monde n'est pas victime ni en perte humaine, ni en perte matérielle. C'est là que l'État est obligé de prendre une décision. Mais pas qu'on ait insisté avec un conciliable avec la communauté internationale là, pour dire que l'État veut des mercenaires dans la police. C'est que toute disposition pour là, notre tax force peut mettre tout matériel à la disposition de la police nationale et que. Un ultimatum qui fait démarrer là pour que je quitte la zone. Moun qui pas connaît que pas dans banditisme. Voilà, et c'est très important, mesdames et messieurs, nous t'attendez et audio. C'est très très important. Évidemment, nous allons nous parler avec Bonhomme un peu plus tard. Oui, Anderson, nous espérons, parce que la fois nous dit, hein, parce que nous en même temps, mesdames et messieurs, nous pas naïfs. Nous connaissons que l'État, c'est sur cette lui-même, la PC, ouais. La PC acheter ses partis publics, la PC ouais comment est capable joindre un minimum de garantie bon côté international là, mais évidemment info ça li important, mais en même temps n'a pas suivi et nous espérons qu'il y a une opération qu'a fait vraiment, mais en même temps j'en nous dis mesdames messieurs et en nous suivre en nous garder vraiment, est-ce que c'est ça qu'a fait vraiment, est-ce que y a gagne pour attaquer un village ou pour pas dire Grand Ravine, est-ce qu'il a respecté parole là, parce qu'en descend souvent yo dit yo pas fait. Donc, nous tendons et c'est important. Et oui, frère, on avance. Avec information, yo, et ça que nous sommes capables de dire aujourd'hui, là, pendant que vous mentionnez les gens qui prétendent dire, ils ont dirigé, ils ont cherché sympathie et population pour montrer qu'ils veulent travailler. Mais si tout le monde vrai, et que les gens qui vivent dans le pays d'Haïti, aujourd'hui, là, après la révélation, ça aucune fait là, Ariel Henry Bata de dans le pays encore. Nèg qui prétend dire c'est le sénateur dans le Sénat républicain, pas ta doué dans le figu moun encore. À maître reprise, nèg yo toujours prend prétexte Abdou. Yo vle établir sécurité en de pays. Yo vle combattre action banditis. Pendant nous, même l'État encore li nan gang. Raison qui fait nous dire même l'État nan gang. Jodi a la l'op gade, sa ka passe nan niveau matisan, bateau ap sorti nan APN pour rive et Carrefour ensemble avec camion qui pote marchandises. Bateau a sorti Carrefour pour arriver à APN avec camion qui porte marchandises. Dans le temps, on te compte faire $500 américains. Là, nous dit dans le temps, nous connaissons ça qui est arrivé en dedans. Village de Emo, on a parlé, il commence dans le mois de juin. Monsieur Sarro, il a profité de l'insécurité pour faire business. Nou, yo. Et je dis à la tour, nous, en ligne aérienne, quand c'était l'argent, on te compte dans mes mounes. Si on sorti et Port-au-Prince pour aller au CAI, s'il était $120, je dis à le passer à n'importe $450 américains. S'il était sorti Port-au-Prince pour aller Jacmel, s'il était $80, je dis à le passer presque à $300. Ça, c'est bagaille nous tous qui dans la République, nous tous qui avisons, nous tous qui ont intérêt, masse populaire là, c'est toujours et penché sous lui. Et je dis à encore, nous, une révélation qui passe suspendre fête. Là, nous disons révélation qui passe sur une fête, d'après tout dernier détail nous avons là, l'État pas bon côté, ça prend une taxe qui évalue à plus passer 50% dans mon temps et billet d'avion pour un voyage pour aller dans le Grand Sud, là, selon les données qui sont disponibles. Chiffre authentique qui sont disposé montrer que un vol au Caïpo-au-Prince qui coûtait $129 américains. Ça, c'est le monsieur qui n'a pas rentré dans la cause et contre les bonnes dans Jimmy. Il a coûté $129.99 américains. Sous quantité l'agence, l'État a gagné un montant de $47.27 américains taxes. Il a pris. Ça vient de sortir
billet à lui-même coûté $82.72. Et je dis à la tout, insécurité cap dominé dans entre sud capitale là pousser moun yo tourner vers l'autre vers transport aérien là et ben paralyser circulation dans matin li créer un pilote entrepreneur un pilote compagnie aérienne vle rentrer ici pour venir participer dans business ça et ben je dis à la tout le moun sa yo qui déjà a travaillé au détriment de ma classe populaire là a travaillé au détriment de moun qui paye voyo, le billet d'avion, ça fait $87, l'État te permet le $129, $47.27 pour yo, j'ose à la moun, ça a mette à $420 pour son support de presse ou aller au caï. C'est pour m'a montré, Jimmy. Ça a fait là son mascarade, ça a fait là son façon pour yo ou le peuple dans le PHTK. Parce que vous n'avez pas à utiliser Gomon ou le peuple dans le PHTK. J'ose à la cause insécurité, cause matin, Ariel Henry a pas. Ariel Henry pa gen sa nan plan. Si ou ap atake bandi tout bon vrai, nou de commencer par racine. Oui, ka gen innocent an dan village 2. Mais ka gen innocent an dan village 2. Est-ce que pendant un fois moun sa ou pa kon servi bandi comme étant tout est? Est-ce que à chaque fois la police, est-ce que l'opération qui te fait 12 mars an dan village 2, c'est pas même moun sa ou qui t'a dit tonton yo Izo, tonton yo Mano, mais kote sa blende a passé, ou a suivi yo pour attaquer yo? Eh bien, je dis à la Jimmy. Insécurité qui gère l'État la donne, l'État fait business la donne, et nous connaissons les gens qui sont dans le pays là, les gens qui sont à l'étranger, qui sont dans le pays là, les gens qui sont dans le pays là, les machines officielles, les machines officielles, les machines officielles, soit pour aller dans le grand sud ou bien pour aller l'autre côté. Et bien, je dis à la semaine de l'État, ça nous va nous combattre l'insécurité là, et bien, quoi que nous capables de dire, dans ce dossier-là, comme étant négo dit que y a bataille, dans le jour qui a fini, il y a pour attaquer Gravine, il y a pour attaquer Gravine 2, n'attendez pas parce que là, bon, pour ni moi-même, ni moun qui n'a pas soit calmé dans le pays, aller dans le grand sud, aller dans le prince de l'Ambert, moun qui t'a remé à l'Okaï, moun qui t'a remé à Jacmel, et bien, Jimmy, comme c'est là, n'attendez pas avec écoute et sécurité, et s'il t'a fait, l'État encore plus bon pour nous toujours, parce que ça nous besoin dans le pays, hein, c'est sécurité, c'est la paix. C'est bataille contre grand bout, bataille contre chômage et qui gagne aujourd'hui là, là nous connaît grand bout, chômage et c'est une base insécurité. Alors ça que il a dit dans ce là Ariel Henry et Frank Pelbe comme étant nous connaît ou gagne de très bonnes relations avec les gangs. Eh bien, n'attend nous monsieur que nous bataille par population possibilité pour traverser matin pour aller dans grand sud pays hein, sans même yo pas inquiéter sans même yo pas maintenant tête leur passe matin yo quand prend yon bal marron ça qui ca foutre et bio et chien Jimmy. Jean nous dit ultimatum non et puis il lancer là donc n'a suivre n'a constater est-ce que c'est vrai est-ce que...